Hey à tout le monde et bienvenue, c'est Blue et c'est aussi un Ukiyo. Bonjour. Bonjour. Nous nous retrouvons et bien dans l'épisode numéro 23 de ce Let's Play, bien dans Monster Rise. Yes. La dernière fois on avait fait un petit Gyrotidus et il s'est passé des petites choses entre deux quand même, il y a eu quelques streams et puis on a vite fait un petit peu farmer histoire de se faire un petit peu de stuff et tout, mais on va voir ça après. Du coup, ce qui fait que pour l'instant on est arrivé au RC6, on a fait la moitié de notre superbe RC6, donc notre rang 6, et en fait, même sans avoir fini les quêtes clés, en fait on a débloqué une quête urgente, une quête calamité, et en plus on a fait aussi le nombre de quêtes clés qu'il fallait, donc il y a peut-être des chances qu'on ait deux quêtes urgentes à faire, c'est pas sûr, c'est une supposition. Qu'en penses-tu, Ukiyo? Est-ce que... Je pense que t'as raison. Nous allons voir. Mais dans tous les cas, ce qu'on voit et ce qu'on va voir, c'est que y a un nouveau monstre dans l'eau, en fait, là, dans notre petite quête calamité. Alors, je pense que c'est le machin bleu, ou je sais pas quoi, avec de la fumée au-dessus, ou j'en sais rien, c'est étrange. On va voir Dieu Serpent du Vent. En tout cas, ça va être chaud. Bref, Ojo, le maître de la guilde. Bleu dragon fer, la calamité et l'ébauché du vent arrivent. Les défenseurs du village vont attirer l'ébauché jusqu'à la forteresse et sera à toi de jouer. On compte sur toi. Et bien sûr, faisons comme ça. Et du coup, on va parler un petit peu stuff. On va d'abord regarder Lutieng. Alors, Ukiyo, voir info, équipement. Du coup, tu t'es fait l'armure full double. Tu as mis quelques petits joyaux, mais tu en mettras davantage, je suppose, plus tard. Ouais, j'ai fait ça vite fait. Yes, tu as mis le floralet du courage. 3, talisman calme et cassiette. Et tu as Chalabati, qui est l'arme en quoi? Vous entendez l'océan pour vous venir en son. Non, en coquillage que j'ai trouvé avec les chasseurs de mi-monstres. D'accord. 170, tranche en verre, 23 de sommeil, 3 emplacements, bonus de défense, 20, et le type de fuel force. Très bien. Ce qui fait que tu arrives avec pourfondeur de dragon 5 pour une arme sommeil, c'est parfait. Machine de guerre 3, pique-assiette 3, héroïsme 3, concentration 2, puissance absolue 2, et jamais vaincu pour bien décéder en paix. Exactement. Yes. Et du coup, pour ma part, je suis en Barrios, voilà, avec la lame froide 2, qui est une lame en minerai, je crois. 184, petit tranche en bleu, 20 d'éléments glace. Je fleurai les démons d'Aurora, talisman ouragan, voilà, tout ça. Et en termes de talent, du coup, j'arrive avec maître d'armes 3, dégainage éclair 3, rengainage éclair 3, je me suis mis ça avec les joyaux, bastion 3, pareil avec les joyaux, pique assiette 3, je crois que je me suis un petit peu boosté aussi avec mon talisman et tout, corps et âme 2, il marche comment déjà celui-là, je me souviens plus, augmente l'affinité si l'endurance est à son maximum pendant un certain temps, ah mais c'est pas mal en fait, si je bouge pas trop c'est cool, et qu'est-ce que je fais dans ma vie, affûtage rapide 2, pourquoi pas, carnassier 1, aura draconien 1, expert en dépeçage 1 et dompteur de philoptères 1. Voilà, tout simplement. Du coup, tu arrives avec combien de défense? 313. Et pour ma part, 348. Ma sacoche, elle est relativement standard. J'ai de quoi me booster, j'ai de l'amitié. Ça me paraît très très bien. Voilà. Du coup, est-ce qu'on est parti, Huck? Let's go. Gourou tempétueux! Très bien. Bon, il est beau, hein? Il est assez stylé en vrai. C'est. Ouais, pas l'habitude de voir ce genre de design! Nope. Pas du tout. Ouf. Rah, j'aime bien ce petit oiseau du début qui nous booste incroyablement. Du coup, qu'est-ce qu'on met pour quand. What?
y a déjà des choses de mise, quoi. Hein, quoi. Ouais, ouais, ça, ça arrive. D'accord, très bien. Alors. C'est quoi, c'est une balise déjà mise? Je vais remettre une balise auto, du coup, ou je ne sais quoi. Repousser avec canon auto aussi. Donc, il faudra qu'on mette des canons automatiques plus tard. Ouais, plus tard quand on fera monter le niveau de forteresse. Petite Gamora. Qu'est-ce qu'on met là-bas? Ah, tu vois, ok. Je l'ai derrière, je vais voir si on met. Merde. De toute façon, pour le moment, on a que des balistes, hein, donc... Ouais, on a pas grand-chose. Tu t'es placé une balise pour toi, ouais. Elle y était déjà. C'est pour ça que j'ai mis une balise auto, après. Très bien. Bon... Je pense que je vais... Genre... Ah, on a déjà fougué de l'ancien. Je pense qu'on va le garder à la fin, quand même. Ouais, on va le garder, ouais. Balise Kamura... Bon, je vais mettre une bombe bambou, juste ici. Yes. Je sais pas bah, s'ils vont dessus. On devrait être bon, hein. Ouais, je pense qu'on peut pas faire plus, pour l'instant. Allez. Vas-y. Moi, je suis prêt. Prêt. Je vais aller sur ma balistas. Yow. On pousse avec les balises une fois qu'on est à 5 sur 5, on passe aux armes. Ouais, ça me paraît une très bonne idée. Allez, let's go. Pou. Pou. Non, le destructeur de porte, ça va tant. Attends, faut finir le machin qui vole. Oh, attends, j'oublie de garder à chaque fois, moi sur la balise, c'est terrible. C'est bon, il est mouru. C'est bon, j'ai réussi. Vilain! Ah, j'ai pas réussi à assommer le Kézu. Bah, il a déjà été assommé, donc je pense qu'il faut lui mettre. Ouais. Ah, c'est bon. C'est bon, nickel. Il est mort. Ah, il y a un autre casseur de porte! Mais non, c'est encore un Kézu! Je vais l'assommer. Bon. Il va me détruire ma balise lui, arrête pousse. Chute. Ah mais l'Argyros il est hyper résistant par contre. C'est bon. Ok. Piou. Piou. Tire de retraite. Voilà. Nice. Piou, piou. Oh wow, ok. Piou. Piou. Yes, c'est bon. On a gagné le jeu vidéo. Nickel. On défonce l'Arzuros et on est bon. Ouais. C'est bon, ok. Fin via mission bonus. What? On peut se barrer comme ça, quoi? Ah ah ah, vous pouvez vous en aller. Grand Izuchi. Ok. Grand Izuchi, ok. Tac. On a déjà repoussé avec baliste. Ouais. La... Ouais. Y'a plus qu'à repousser avec des armes. Je me suis fait détruire. J'arrive. Signal de riposte lancé. Ah oui, ça veut dire que là, ça, faut qu'on mette le paquet au corps à corps, justement. Il a un peu où aller en enfer. Attends, hop. Petite bombe d'eau. Bon. Allez. Dragonator déverrouillé. Canon Kamura. Oh, chevauchage de Wyvern. Je peux ou pas? Vas-y. Je sais pas. Non, et bah non, il devait se barrer, je crois. Ah non, si, non, il est là. Ah, genre, ça voulait me le prendre de... De tellement loin. Méchant. Vas-y, vas-y, vas-y. Aïe. Oh, il fout de sacrées claques, l'Arzuros. Ouais. Ah, mais les chevauchés en calamité, c'est incroyable. Ils font trop... Non, il veut briser la porte. Arrête. Pousse. Alors, foiré. Méchant. Je pense qu'il fait vraiment 10 000 de dégâts quand il y a le signal de riposte, c'est incroyable. J'avoue. Ouf. Ok, je l'ai éclaté. J'ai vu. Mais what the fuck, je l'ai détruit en 5 coups, l'Arzuros, quoi. Complètement flingué. Ça c'est quoi? C'est plein de trucs. Dommage. Tirer, bombarder le quoi? Ouais, c'est quoi ces bombes? C'est une bombe arrive qui explose. Je sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça. Ça inflige un fléau au feu, je crois. Première droite poussée. Yes! D'accord. Bah, je propose qu'on mette encore des choses automatiques. Les canons automatiques, ça va loin ou pas? Ouais, ça va assez loin. Du coup, je vais peut-être en mettre un ici. Par contre, ça, c'est pas des canons auto. Hein. Les canons auto, c'est des armes qu'on peut chevaucher nous. Bah, de toute façon, c'est les canons Kamura qu'on doit mettre, non? Non, justement, c'est pas justement. Ça les canons auto. Les canons auto, c'est pas ça.
D'accord, c'est pas les canons. C'est dans peut-être chevaucher, et c'est après, c'est une espèce de Gatling en fait. Ah, donc on ne peut pas les avoir encore alors. On les a pas encore. D'accord, on a aussi un leurre à monstre. T'as mis quoi, une bombe bambou? Là, faudra qu'on mette un leurre quelque part, je pense, pour gagner un peu de temps. Comment on fait? Moi, je vais mettre un canon là que je pourrais utiliser moi. Ouais. Pour infliger des fléaux élémentaires. Je vais peut-être laisser une baliste quand même alors. Ouais, ouais. Je vais monter dessus, parce que c'est vrai qu'assommer et tout, c'est quand même vachement bien. Si on là, en a moins un. Ouais, le leurre, j'aime bien le mettre ici, en général. Où ça? Ah, carrément sur le mur? Ça marche ça? Là. Ouais, comme ça, ils vont être attirés et ils vont essayer contre le mur de l'attaquer. On pourra activer Dragonator. Ah, c'est pas cool ça. C'est pour bête. C'est excessivement non bête. Donc là, on a deux balises. Trop chevauché. Bah, je vais mettre un canon. Canon Kamura. Ici, moi, je le réserverai pour le truc avec le rayon laser, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Ah, ouais. Puis là, je sais pas si on peut mettre quelque chose pour l'instant. Bah, peut-être une petite bombe au cas où ici, ouais. Bah, là, on peut plus, là. On a déjà tout mis. Ouais, mais on t'en remplace une des deux qui sont devant. De quoi, tu veux en mettre une quand même? Ouais, au cas où. Ça va en faire une, non? Ouais, ça en a retiré une, ouais. En fait, faudrait retirer celle qui est là-bas au fond. Ah ouais, bah vas-y. Comme parce ça, que celle-là, elle sert jamais à rien, celle-là. Tac. Bah, elle est pas super bien placée, en vrai. Et du coup, on peut mettre celle-là devant. Voilà, c'est nickel. Fait. Bah nickel. Allez, non, mais go. Putain, mais grosse feignasse, remonte au mur. Oh, y'a un bouquet au-dessus. Ah. Attends, mais je veux surtout avoir le monsieur briseur de porte dès qu'il arrive. Doublizucci. C'est quoi le briseur de porte? C'est un Kezu? Oh, c'est un bazar. Ah non, c'est un Bazarios, putain. Oh, je l'ai pas eu, tiens. Oh, le tir de retraite, ça l'a même pas bougé, wesh. Là, tu vois, les deux Izuchi sont contre le leurre, là. C'est bon, j'ai réussi à la somme. Ah, il m'a blurgué dessus. Terrible. Faut qu'on arrive à le voir. Non! Tiens, tir de retraite. Non, il a trop envie d'y aller, arrête! Pousse! Non! Il veut faire gros gros! Gros gros 210! Aouh! Putain, ouais. Ah, on a l'artillerie feu de Wyvern. Oh, c'est bon. Je fais exploser. Bah, il m'a explosé ma baliste. Voilà. Ah. Ah, il y a une racine devant, ouais. Tiens, j'ai au cac. Ouais, de toute façon, faut y aller au cac là. C'est bon. Ah, il a pété la porte. Non, reste là. Boum, la bande devant vous. Ce que je vais faire, c'est que je vais placer une artillerie de wyverne vers la porte. Non, il y a un autre. Tac. Un autre base à pouette. Ouais, t'inquiète, regarde. Je vise avec ça. Voilà. Oh la vache. Ah, mais il y a les canons qui tirent des flèches au foudre. Aouh. Et je suis sur la racine. Ok, je compte sur toi. Ah, bah il est décédé, nickel. De toute beauté. Tu les détruis, je crois, non? Kilbrassian, c'est pas gentil. Je pense pas à mettre les bombes et tout là. Boum! Tu les as explosés. Ah, c'est bon, ma baliste elle est revenue. Je vais mettre mes bombes barils et tout là. Ouais. Il y en a un qui est passé? Ah oui. Ouais. Bichetten. Salaud, putain, il m'a envoyé un fruit. J'ai pas envie de mes fruits et légumes. Putain, il est trop chiant en plus, il attaque trop souvent. Arrête! Mais putain, je vais pas aller sur ma baliste. Il est trop chiant. Calme-toi, toi te calmer. Bon, on s'en fout, au pire on y arrivera après là. Repousse avec une arme. Ah, le briseur de porte. Ah, le canon auto, là. C'est bon. C'est bon, il a mouru, lui. On peut mettre le canon auto, maintenant. Ah.
Bah, je remplacerai bien cette palisse, moi. Tac. Par du coup, le canon auto. C'est bon, lui a mouru. Oh là 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 là. Bon, il m'a explosé. Tiens, je mets une petite poussière pour faire gagner du temps. Je vais guiser vite fait. En plein milieu, hein, parce que je suis intelligent. Chouing, chouing. Oh, il guise vite un plaisir. Oh là, le Bichaten qui m'a explosé mon canon. Je fais une balise Camour en plein milieu. Bien vu. Parce que vu qu'on en avait encore une. C'était tout. Par contre, c'est le briseur de porte là. Qui va arriver. Mission accomplie. Repousser avec une arme. Ouais, je suis dans le poison parce que je suis intelligent. Putain. Non, reste là. Aïe. Mais purée, je peux même pas attaquer. J'en ai trop marre. Les trucs qui sont en l'air, ils sont vraiment insupportables en fait. C'est incroyable. Attends, on a bien géré. Ça va, on s'est pas fait péter notre truc. Bon là par contre ça va être moins cool. Ça va être moins drôle là. Ça va être moins drôle. Je pense qu'on va se faire péter la porte. Déjà. Je pense que surtout la barre là en plein milieu avec toutes les armes, elle va disparaître. La barre en plein milieu avec toutes les armes. Là, là où on est, ça va disparaître. Ils vont tout péter. Il y a des chances, ouais. Donc il y a moyen que... Ça, je sais pas... Attends, qu'est-ce qu'on peut mettre du coup? Là, je réinstalle un leurre. Attends, je regarde. Est-ce que je peux mettre autre chose que ça, là? Tu veux la mettre où, l'artillerie feu de Wyvern, parce qu'on en a encore une. On l'a déjà mis. En vrai, on peut la mettre là. Attends, là où je suis. Comme ça, ça vise dans le couloir, en fait. Balise Kamura, canon Kamura... Là, je la fais viser là, dans le couloir. Bon, je vais laisser la balise dans le Kamura. On devrait être pas trop mal. Est-ce qu'on a encore une place quelque part? Là où c'est quoi cette balise? Il y a un canon Kamura qu'on peut mettre encore. Ouais, je vais le mettre là à l'entrée, je pense. Puis ouais, on peut pas faire grand chose. Puis bon, faudra bien penser des Kalibushi. À bien lui coller Fugen. Je pense parce que là, le canon, en vrai, je m'en suis jamais servi. Par contre. Oui. On peut mettre un canon auto. Hop. Ah putain, mais j'ai vraiment du mal à monter, moi, c'est terrible. Ça c'est quoi? C'est une balise auto, Ça c'est une balise normale. Ok. Et là du coup t'as mis une balise Kamura. Bah ouais, c'est histoire de mettre quelque chose là. Putain, j'ai même pas pris mes boosts, je suis vraiment le pire. Ça c'est quoi? Kunai explosif, dommage. Dommage. J'ai encore des bombes ou quoi? Ah bah oui, j'ai encore des bombes. Putain, mais qu'est-ce que je fais dans la vie? Vite! Vas-y, pose-les. Bombe baril foudre! Tirez bombe baril! Voilà. Allez, je sais pas si ça marche avec ça. J'en fous. Saigo. Oh, mais comment elle tire maintenant la baliste? What the fuck? Elle est devenue plus puissante. Ok, ouais, bah normal quoi. T'as vu que ça dégage. Oh là là, les atomes. Mais what the... Mais en fait, nos balises, elles sont devenues excessivement puissantes, non? Ouais. C'est pour ça que c'est très utile de faire monter le niveau. Ah, y'a un truc qui vole qui veut me... Le niveau de la forteresse. Vas-y, descends, toi. Ok, yeah. C'est bon, ils ont mouru. Y'a la racine là-bas, ouais. J'aimerais bien qu'elle monte sa tête, que je puisse l'assommer, si je peux. Bim. Mais c'est trop bien. Nos trucs sont devenus genre beaucoup trop forts. Oh la vache. On l'a explosé. Ouais, le délire, ça. Parfait. Bon bah on a plus qu'à attendre, merci. Quoi, il est déjà là? Ouais, j'ai eu des boules rouges, il est où? Je sais pas. Ça m'a enlevé de mon truc. Oh, il est là-haut, il est là-haut. Ah ouais, ah oui. Salaud. D'accord, gracieux. Il est très gracieux. Très bien. Attends, on a à la limite dû mettre Fugen au bout, je pense, tout de suite. Putain, vite, je vais y aller. Vas-y. Je vais aller sur l'autre. Enlever l'install. Mais qu'est-ce que je fais? Ah, mais je peux pas. Bon, bah laisse tomber. Y'a hâte de mettre après. Un petit peu, ouais. Donc là, je suis dessus, je bim.
Et il va vite en cours. Ok, il va beaucoup trop vite. Ah, on peut en prendre le grand philoptère, je crois quoi. Ouais, ouais, grand philoptère. Ah, vite, faut courir. Faut très beaucoup courir. Ouais. Grand philoptère. Yaha. Bon, il y a déjà une bombe machin. Putain, il va beaucoup trop vite. Il m'a eu en criant. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il veut casser des trucs. Vite, je vais mettre Fugen dès que je peux, plus loin. Il va tout péter, il va tout péter. Il m'a détruit. Je vais le mettre au niveau de la porte. Oh, putain, ok, très bien. Vite. Fugen! J'ai mis Fugen! Fugen est là! Oh la vache! Oh la vache! Vite, artillerie, feu de wyvern, hop, je le fais viser. Oh, il a mis un 2700! Frère. Oh, c'est quoi ce laser glace là? Ah, il est tombé. Ok. Allez, spin, spin. Il a détruit. Je lui ai pété la tête, je crois. Ah, il a sommé. Yes. Ah, nickel. Je vais essayer de voir si on peut lui péter les pattes. Ok, bon. C'est quoi? Griff Ibushi. Oh, ok. Il est. Canon Kamura Auto. J'ai fait que ça? Alors, je sais pas ce qu'il fait, mais c'est un peu le what the fuck de l'espace quand même. À l'aide. Est-ce que. Putain. Le ramon, si t'en veux pas. Canon. Mets l'artillerie feu de Wyvern là où t'es. Ok. Oh ok. Ok, ok, la porte. Ok, bah ouais, bah normal quoi. Zboum, rayon flammé. Oh la vache. Encore ou pas? Ah, c'est que de temps en temps qu'on va l'activer si. Oh, brrr, elle m'a détruit en même temps. Ah, y'a Yomogi. Non, putain, je me suis fait savater. J'aimerais bien. Mais putain, mais je peux pas jouer. Il m'envoie en l'air à chaque fois. C'est quoi ce délire? Tu vas m'éclater. Oh là. Moi, ça a failli. Je mets Yomogi la chef. Oh, Yomogi putain. Yomogi, non. Amélioration de la machine de chasse. Signe de riposte se lancer. Adieu. Ok. Voilà, il m'a vraiment tout mis. Reviens. C'est bon, ça m'a tarué Ibushi. Ah oui, Griff Ibushi plus. Ouais, on sera pas perdu même si on perd. Oh là là. Oh, mais il atomise la porte. Un peu, ouais. Vas-y, je mitraille, je mitraille. Vas-y, vas-y. Ouh, ça l'a pas plu. Partie des trucs, man. Oh la vache. Oh, je l'ai mis un 2900 dans le visage. What the fuck. Ça va, elle a encore pas mal de vie, la porte. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, ça va, oh. Un mec qui me l'a fait genre 3 fois d'affilée tout à l'heure. J'en avais trop marre. Ouais, vas-y, attaque-moi. Ouais, j'adore. Les effets de la machine ont pris fin. Ah. Ok, raté. Bon, j'espère qu'il va bientôt mourir, hein. Oh, punaise. Oui. Oh, mais il a mis une tornade, on l'a pas dit. Quel enfer. Ah, c'est bon, je peux. Agro gros. Ok. 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 Attends, ça marche ça? Ça marche pas du tout. Oh putain. Ah, il a glissé? Il a glissé. Bon. Oh non, mais il m'a détruit ma belle. On peut lui couper la queue? Aucune idée. Ah, j'aurais dû faire mon contre. Quelle terreur. Mais ils veulent à l'envers. Mais pourquoi je m'envole? C'est terrible. On est trop marre. Parce qu'il met des tornades de partout. Bah oui. Partie détruite. Ah. Il y a une bonne musique. Il se bim, ouais. 3400 dans les dents.
toucher. Yeah. C'est bon. Bon, ça va qu'il est pas sur la... Non. Oh, j'ai eu tellement chaud. N'empêche, j'aurais bien aimé, parce que j'aurais pu faire mon compte. Non, oh non, me touche pas, me touche pas, me touche pas, me touche pas. Je sais pas ce qu'il fait, mais... Je sais pas. Ah non, divise-toi. Badaboum. Oh. Qu'est-ce que je fais que ça? Aucune idée. Oh la vache. Oula. On va se calmer tout de suite. Je mitraille, je mitraille, je mitraille. Vas-y, vas-y, mitraille. On voit la sauce. Ça, c'est bien de le brûler quand même. J'en veux tout ce que j'ai. Oh oh. Oh non, il se prépare, il va exploser la porte. Bah, je peux même pas le toucher, quoi. Tout ce que tu peux. Oui! J'ai joué! Oh putain, la vache. J'y croyais tellement pas, tellement il mettait 10 000 milliards de dégâts sur la porte. Oh, il a perdu des griffes. Oh, il s'en va! Équelles. On l'a même pas gagné! A bientôt! Nul! Allez, on a une petite compensation du coup. Pouille boucher! Bon bah, GG la famille. Nickel. Et là, on va le faire en quête urgente, parce que c'est drôle. Non. Ah, mais attends. Ah, mais il a perdu sa queue. Ah, mais. What? Ah, d'accord. Ça, c'est sa queue, ça. D'accord. Un petit bout. Cuirasse Ibushi. Bon, bah écoute. On fera un peu de matos. J'ai une trachée Ibushi. Ah, la trachée. La trachée. Pas mort sans sa trachée. Terrible. Putain, on a utilisé personne en vrai. Bah, ah, si. Si, j'ai mis Fugen et j'ai mis l'autre, la Yomogi. Nickel. J'ai mis ce qu'on pouvait, hein. Vraiment. GG la famille. GG. Fujinryu wa? Oh, kekitai shita ka? Yoku zo yatte kureta. Nee-sama. むなさわぎは収まりました。いぶし巻彦は伊豆子か遠くへ立ち去ったようです。これで百竜夜行は収束していくはずと言いたいところでげこんが。いぶし巻彦が現れた理由。姉様がおっしゃっていた対の存在。 Voilà, merci à tous. Eh ben super. Rang S. Ok. Oula, mais on a du matos là. Spell comme ça, Poire du Rose, Poche Hurlante, Pau Grand Isochi, Pouquet, Plex, Poche Infernal, Plal, Meilleur, Peu, Le Méchaté, Mosfé, Bulle, Pec, Détendant, Donc, Cuirasse, Ibushi, Pointe, Bleu, Ib, Pointe, Bleu, Ib, Cuirasse, Ibushi, Traché, Cuirasse, Tiga Défense, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 6, 1, 2, 3, 5, Corne, Ibushi, Plus, Traché, Ibushi, Griffé, Ibushi, Plus, très bien, de la thune, des points, ouais. Ouais, parchemin tempête triomphale, obtenu un prix. Ah, cool, ouais. Bien joué, Blood Renfer, les bouchers du vent ont été poussés à fuir. Je pensais que cela marquerait la fin de la calamité, mais il y a toujours de l'agitation dans l'air. La raison pour laquelle les bouchers sont venus ici est la reine dont parlait Inoua reste un mystère. Pendant que tu accomplis des quêtes des étoiles, la guilde continuera de faire son possible pour en apprendre plus. Mmh. Et du coup, vu qu'on a fait tout, j'ai mis qu'ils vont vouloir nous parler. Fais voir. Bah, juste au grand camp, en fait. Merci. Allez, vas-y. Salut, Bragamafair. Il y a une nouvelle quête urgente. Un Rakna Kadaki énorme fait des ravages dans les cavernes de lave. Va montrer à ce monstre de quelle bois tu te chauffes. Je me demande quand même ce qu'un Rakna Kadaki peut bien faire dans les cavernes de lave. C'est une première. Et Minoto qui agit bizarrement ces derniers temps, les deux sont sûrement liés, non? Dans tous les cas, nous comptons sur toi pour aller chasser le Rakna Kadaki. En avant, chasseur de Kamura. Oui. D'accord. Minoto, la réception. Plus que trois petits points. Oh, salut, Lorraine Fer. Une nouvelle quête urgente est arrivée pour toi. Youhou! Tu trouves que je n'ai pas l'air bien? Je sais de quoi ça a l'air, mais. Comment dire? Oui, je ne sens pas moi-même, mais c'est peut-être parce que je suis épuisé. Une petite sieste devrait faire l'affaire, ne t'inquiète pas. Occupe-toi plutôt de la quête urgente. Ta cible est le Rakna Kadaki. Il se faufile, il se balance.
un instant là et puis du feu en abondance. Tu as bien pris note? Je ne compte pas me répéter sur ce, bonne chance. Alors attends, je vais voir si ça nous a débloqué des choses en... Pas du tout. Donc, quête urgente, ok. Chasser un Ragna Kadaki arachnophobie. D'accord. Caverne de lave, what the... Cela ressemble à un insecte, non? Oui. Très bien. Bon, on sort ça pour le prochain épisode, je pense. Et on peut modifier les couleurs dans le coffre. Oui, je crois qu'on a bloqué ça il y a... Bah maintenant, en fait, d'accord. Oui. Je croyais qu'on pouvait déjà le faire. D'accord. Alors, attends, c'est... Apparence. Pigmentation. Waouh. Je peux devenir bleu. Waouh. Du bleu... Bien foncé. Ouais. Allez, ça ira bien. Merci à tous. Bon. Il s'agit de la fin de l'épisode. Huc. Oui, c'est vrai. Oui, du coup, si ça vous a plu, le petit pouce en l'air. Si le petit pouce en bas, c'est pas la fin, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, tout ça. Les liens en description, tout ça. La prochaine fois, nous verrons, bah, je pense, pour faire le Ragna Kadaki. Oh oui. Puis on verra si on pourra se faire les bouchées du vent en vraie quête aussi plus tard. J'espère quand même. Ce serait pas mal. Et puis voilà, sur ce, bah, portez-vous bien. Et puis, à une prochaine fois. Allez, salut tout le monde. Loup.